Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver en cette soirée d'automne pour vous emporter, vous emmener vers des contrées plus ensoleillées que les cieux parisiens. Nous avons, la semaine dernière, exploré l'histoire des découvertes des plus anciens hominines en Afrique. Et donc, à partir d'aujourd'hui, et pour le reste du cours, nous allons détailler un petit peu ces groupes. Et donc, au sein de tout cet ensemble qui précède le genre Homo et qui n'est connu qu'en Afrique, nous allons aujourd'hui envisager les formes les plus anciennes d'hominines, ce qui est représenté en jaune sur cet arbre très schématique. Vous remarquez tout de suite, en regardant la distribution de ces nombreuses espèces d'hominines, que les 4 premiers millions d'années sont assez peu peuplées, finalement. Et il n'y a pas beaucoup d'espèces qui ont été reconnues, pas beaucoup de fossiles, vous allez le voir. Et évidemment, je souligne tout de suite le fait que ça n'est certainement pas lié à la rareté des hominines uniquement, mais probablement en grande partie à un biais de découverte, de conservation. Et dans le fond, on a de bonnes raisons de penser que cette grande diversité des hominines qu'on a au cours des derniers 3 millions d'années, eh bien, c'est une grande diversité qui a existé avant. Et dans le fond, vous allez voir que c'est un des problèmes constants dans l'interprétation de ces formes les plus anciennes, c'est ce qu'elle représente et dans le fond peut-être ce que représentent les parties manquantes de cet arbre. Alors, je voudrais quand même revenir sur une notion qu'on a maintes fois évoquée dans cet amphithéâtre et qui est cette notion d'hominine. Alors, dans la littérature, surtout un peu ancienne, il est généralement question plutôt d'hominidés quand on parle des ancêtres ou des parents proches de l'homme. Et il y a eu toute une évolution de la nomenclature au cours des dernières décennies, avec des choix qui ont été faits et qui, pour certains, sont des choix, je dirais, complètement rationnels et logiques. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Mais à côté de ça, il y a aussi des choix qui sont un peu plus arbitraires. Et donc, vous verrez que même encore aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent différents termes, qui veulent dire un peu la même chose, même si leur terminaison n'est pas identique. Je crois que ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que disons jusque dans les années 1980, par là, on avait tendance à séparer la superfamille des hominoïdes, en latin Hominoidea, qui est la superfamille qui rassemble à la fois l'homme, les grands singes africains et les grands singes asiatiques, en 3 familles. La famille des hominidés, donc il y avait une famille, je dirais, pour nous tout seuls, avec quand même des hominidés fossiles. La famille des pongidés, dans laquelle on mettait les chimpanzés, le gorille, les orang-outans. Et puis une famille plus primitive, qui était celle des ilobatidés, le siamang. Et donc, on avait ces familles qui étaient bien séparées. Alors, les choses ont changé considérablement. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce groupe des pongidés, c'était un groupe qui était artificiel et dans lequel on rassemblait des formes qui, pour certaines, étaient plus proches parents de l'homme, ses ancêtres, et en particulier les singes africains, alors que Pongo, de son côté, c'était un grand singe qui s'était séparé de tout cet ensemble beaucoup plus tôt. Et donc, dans une tentative de mettre en accord la classification avec la phylogénie, on a modifié cette taxonomie
Et donc, on a séparé les hominoïdes en deux familles, celle des hominidés et celle des ilobatidés. Et vous voyez tout de suite que dans cette famille des hominidés, il y a des tas de choses qui ne sont pas des hommes ni des ancêtres de l'homme, puisque dans les hominidés, bien, il y a le chimpanzé, le gorille et même l'orang-outan. Hein. Je précise encore une fois que ça, c'est une option, hein, parce que tout cet empilement de familles, de sous-familles, de tribus, etc., c'est quelque chose avec lequel on peut jouer. Ce avec quoi on ne peut pas trop jouer, c'est la phylogénie elle-même, c'est-à-dire la façon dont ces différents groupes se branchent les uns sur les autres. Et donc, à l'intérieur des hominidés, eh bien, on a des homininés, une sous-famille, et à l'intérieur de ces homininés, une tribu, les hominini en latin, à l'intérieur duquel on a fait une sous-tribu qu'on appelle les hominines pour séparer les hommes et leurs ancêtres depuis la séparation avec les chimpanzés. J'espère que c'est clair. Alors, voilà, maintenant, on a certains auteurs qui préfèrent utiliser le rang de tribu ou même parfois de sous-famille pour ces différentes branches, mais ça, c'est un petit peu, je dirais, de la rhétorique. Ce qui compte surtout dans cette histoire-là, c'est quand même de bien comprendre que même si les grands singes africains et même l'orang-outan ont l'air de se ressembler pas mal, hein, quand on va dans un zoo et qu'on les regarde, on a l'impression qu'ils sont à la fois très différents des hommes et qu'ils se ressemblent un petit peu. Voilà, le chimpanzé, le gorille, ils sont quadrupèdes, ils ont des poils noirs, ils ont des canines qui dépassent du reste de leur denture, et puis ils ont un cerveau qui est beaucoup plus petit que le nôtre, etc., etc. En fait, tous ces caractères sont des caractères primitifs qui étaient assez répandus chez toutes sortes de grands primates et qui ont été perdus par les hommes. Mais en fait, la perte de ces caractères, dans le fond, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser pour reconnaître notre proximité avec l'un ou l'autre de ces groupes. Et en fait, la proximité plus ou moins grande, d'abord avec les grands singes africains par rapport à l'orang-outan, et puis surtout la plus grande proximité entre l'homme et les chimpanzés, c'est-à-dire le chimpanzé commun et le chimpanzé nain, le bonobo, c'est quelque chose qui a été démontré surtout par la biologie moléculaire, par la phylogénie moléculaire. En gros, à partir des années 80, on a commencé à se rendre compte que quand on comparait des protéines, l'hémoglobine par exemple, de ces différentes espèces, eh bien, on pouvait voir des proximités et que ces proximités de structure de ces protéines, eh bien, évidemment, elles s'enracinaient quelque part dans le génome. Et donc, c'était une indication de distance, de parenté plus ou moins grande. On n'était pas encore à faire de la génétique, hein, et à séquencer tout l'ADN nucléaire de ces espèces. Mais dans le fond, quand on a avancé avec ces techniques moléculaires, eh bien, à chaque pas, on s'est rendu compte que se trouvait confirmée cette proximité de l'homme avec le chimpanzé et le bonobo. Et donc, voilà, cette notion ancienne de pongidée, c'est-à-dire de rassembler à la fois les chimpanzés, le gorille et puis l'orang-outan, ça n'avait pas grand sens du point de vue de l'histoire évolutive de tous ces groupes. En même temps, ces distances génétiques, puisque c'est à cela que ça va se ramener, on a tenté de les utiliser pour évaluer des temps de divergence entre ces différentes lignées. C'est ce qu'on appelle l'horloge moléculaire. Et cette horloge moléculaire, ben, ma foi, on l'a utilisée pour établir des dates qui, si je peux dire, n'ont pas fait vraiment consensus, surtout avec les paléo-anthropologues et les paléontologues. Pourquoi ? Parce que
Voilà, j'ai tiré cette figure d'un article qui date de 2003. Bon, 2003, c'est il y a quelques années, mais ce n'est pas non plus la nuit des temps. Hein. Vous voyez qu'on a des dates, par exemple pour la divergence entre les chimpanzés et les hommes, autour de 5 millions d'années, entre 4 et 6. 6, c'était considéré comme un maximum. Hein. Alors le problème que posaient ces dates de divergence, c'est que les paléontologues, eux, avaient des fossiles qu'ils attribuaient à la lignée menant à l'homme et qui étaient plus anciens que cette date-là. Et donc il y a eu pendant pas mal d'années un conflit entre paléontologues et biologistes moléculaires, généticiens, sur ces dates de divergence. Je dois dire que ce n'est pas seulement à propos de la divergence homme-chimpanzé hein, ou gorille-chimpanzé-homme. C'était aussi un conflit, et moi j'ai vécu ça parce que j'étais partie prenante, à propos de divergences plus récentes. Par exemple, quand on a eu les premières données paléogénétiques sur l'homme de Néandertal, eh bien, ce que mes collègues paléogénéticiens nous donnaient comme âge de divergence, c'était des dates qui ne nous plaisaient pas du tout, en tout cas à moi qui ne me plaisaient pas du tout, parce que je savais bien qu'il y avait des Néandertaliens qui étaient plus anciens que les dates qui étaient proposées pour la divergence Homo sapiens moderne néandertalien. Comment est-ce qu'on peut établir ces arbres moléculaires ? Eh bien, c'est assez simple, hein, finalement, voilà, de façon schématique, un petit bout de génome. Alors, ce petit bout de génome, hein, sont des bases, des nucléotides le long de l'ADN. Et dans certaines parties de l'ADN, il y a le codage, la recette pour fabriquer certaines protéines, une certaine protéine. Donc, quand on utilisait des protéines, faute d'utiliser de l'ADN, eh bien, en gros, on utilisait des différences dans la séquence d'acides aminés qui étaient la transcription de différences dans le génome. Tout ça, ça revient un petit peu au même. Donc, si on en reste avec de l'ADN, eh bien, au cours du temps, on a des mutations, c'est-à-dire que cet alphabet formé par des nucléotides le long de l'ADN, il va subir des altérations avec des lettres qui vont changer, ce qu'on appelle une mutation. Et donc, ici, vous avez de façon schématique la divergence de deux lignées avec, sur cette séquence primitive, une modification d'une des lettres sur un bras et d'une autre lettre sur l'autre bras. Et puis, au cours du temps, d'autres mutations vont s'ajouter. Et donc, la distance génétique entre ces deux branches va s'accroître de plus en plus. Alors, on peut d'abord mesurer la distance génétique entre différents groupes, différentes espèces, grands groupes. Et grâce à ça, construire un arbre dichotomique avec, en rassemblant les choses qui sont les plus proches et puis en mettant de côté les choses les plus anciennes. Et puis quand on suit la succession de ces mutations, évidemment, on reconnaît un état primitif et un état dérivé. Par exemple, cette mutation G ici ou CG, ce sont des états dérivé par rapport à l'état primitif où on avait à l'origine un TA qui a été, enfin un TT qui a été remplacé par un CG finalement. Alors évidemment il y a quand même un petit problème, c'est que il y a un nombre limité de nucléotides possibles, donc il y a toujours la possibilité, et ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est vrai d'ailleurs aussi pour d'autres types de caractères, qu'on ait un retour en arrière, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que plus tard, au cours du temps, ici réapparaisse la lettre T. Et donc, évidemment, il faudra arriver à faire la différence entre une lettre T primitive, si je peux dire, et puis une lettre T qui serait un retour à l'état primitif, donc qui serait dérivée. Bon, on va laisser ça de côté. C'est ce qu'on appelle l'homoplasie dans l'évolution, c'est-à-dire le retour en arrière vers des conditions primitives ou l'acquisition séparée par deux lignées du même caractère. Donc, grâce à tout ce raisonnement, on peut construire
des arbres comme celui-là. Alors, c'est un arbre qui a été publié il y a quelques années, où on a tous les groupes d'animaux, depuis des vers, des oursins, des insectes, qui vivaient dans les profondeurs du Paléozoïque, jusqu'à des formes récentes qui ont divergé il y a très peu de temps, comme par exemple l'homme et le chimpanzé. Et donc, ce genre d'arbre, il se fonde, je vous l'ai expliqué, sur la distance génétique qu'on a entre tous ces groupes, et puis sur des estimations de la date de divergence. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une estimation de la date de divergence ? On construit un arbre. La longueur des branches de cet arbre, c'est quelque chose qui est proportionnel à la distance génétique qu'on va observer entre deux espèces, par exemple, ou deux groupes. Mais évidemment, toutes ces longueurs de branches, ce sont des longueurs qui varient d'une région de l'arbre à un autre, mais tout ça, ça ne nous donne pas des millions d'années ou des années. Et donc, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle une calibration, c'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer l'âge d'un des points de cet arbre. Et connaissant l'âge d'un des points de cet arbre, une bifurcation par exemple, eh bien, à partir de là, en faisant des simples règles de 3 fondées sur ces distances génétiques, eh bien, on va convertir toutes les longueurs de branches en durée, en années, en centaines de milliers d'années, en millions d'années. Alors, il y a quelque chose d'assez ironique dans le fait que les généticiens qui sont en bagarre, enfin qui étaient en bagarre avec les paléontologues sur ces histoires d'horloges moléculaires, pour calibrer leurs arbres moléculaires, en fait, utilisaient des données paléontologiques. Et comment on utilise des données paléontologiques, ben voilà, on décide que l'origine des souris dans les gisements paléontologiques eh bien, sont connus à partir de telle date, du début de l'ère tertiaire ou de la fin de l'ère secondaire. Donc on sort une date de 65 millions d'années ou 60 millions d'années. Et on dit, voilà, ce point de l'arbre, il a tel âge, et après, eh bien, on calibre la durée de toutes les branches de l'arbre. Alors, vous voyez bien, le problème avec ça, c'est que, bah, et si on n'a pas la plus ancienne souris, hein, il est possible qu'il y ait eu des souris plus anciennes qu'on n'a pas trouvées, et le jour où on va les trouver, eh bien, il faudra tout recalibrer. Donc ça, c'est un sérieux problème dans la calibration des arbres, en utilisant des données paléontologiques. Pourquoi ? Ben parce que, dans le fond, ça pose le problème de savoir, dans le registre fossile, quand on commence à trouver un groupe d'animaux, est-ce que c'est vraiment la date d'apparition de ces animaux ou c'est juste leur date d'apparition dans nos collections de fossiles, hein ? Donc ça c'est un sérieux problème. Mais il y a d'autres problèmes qui sont des problèmes, j'allais dire, inhérents au calcul de ces distances génétiques et qui sont des problèmes théoriques assez sérieux. On sait aujourd'hui séquencer complètement le génome de tout un tas d'espèces. Donc, on peut regarder dans le détail ce qui se passe en termes de mutations, et en particulier, si on choisit deux espèces qui sont sur une de ces branches, deux espèces proches, eh bien, on peut d'abord établir une forme ancestrale, et puis à partir de cette forme ancestrale, de cette séquence ancestrale, on peut faire une comparaison avec nos deux espèces et mesurer le nombre de mutations qu'il y a eu sur ces deux branches. Figurez-vous que ce n'est pas le même nombre. Donc ça, c'est quand même embêtant. Parce que, évidemment, quand on fait cette calibration, on part d'un raisonnement
qui est le suivant, c'est que, en moyenne, le nombre de mutations qui s'accumulent au cours du temps, eh bien, est à peu près constant. Et en fait, c'est faux. C'est faux, et on s'en rend compte de différentes façons. D'abord, quand on prend un groupe d'animaux, ici ce sont des primates, des singes, et qu'on regarde comment, le long de ces branches, se sont accumulées des mutations, eh bien, en fonction du type de mutation que l'on considère, on ne trouve pas exactement le même arbre. C'est-à-dire qu'on trouve il y a un type de mutation qui a tendance à être proportionnel au temps, mais il y a d'autres types de mutations qui intéressent certaines séquences dans le génome qui vont s'accumuler plus vite dans certaines lignées que dans d'autres. Donc, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'horloge moléculaire, elle va plus ou moins vite en fonction des lignées, et même à l'intérieur d'une lignée, elle va plus ou moins vite en fonction de différentes parties du génome. Ouais, c'est un sacré tuile pour la calibration. Et donc, on s'est rendu compte comme ça que, au sein des primates, eh bien, les grands singes et l'homme, eh bien, avaient subi une sorte de ralentissement du taux de mutation par rapport à d'autres primates plus primitifs. Et c'est ce qui apparaît ici dans ces longueurs de branches. Normalement, toutes ces espèces qui sont des espèces actuelles devraient être toutes sur une ligne horizontale. Elles n'y sont pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que il se produit plus de mutations le long de ces lignées qui sont à gauche, donc des lémuriens, des petits singes sud-américains, que à droite, là, ici, avec l'homme et les grands singes africains. Donc il y a une différence entre les espèces. Alors, après, s'ajoutent d'autres problèmes avec ça, que je n'ai pas le temps de développer trop longtemps, mais on a tendance, généralement, à raisonner en termes de mutations par milliers d'années, millions d'années, etc. Donc, on voit bien comment, au cours de l'évolution de ces lignées, il y a eu un taux de mutation plus élevé dans certaines lignées que dans d'autres. Mais dans la pratique, ça se passe comment ? Dans la pratique, eh bien, les mutations, elles sont transmises de papa et maman à leurs enfants. Et il se trouve que, pour prendre l'exemple de papa et maman, papa transmet plus de mutations que maman. Et ça, c'est lié à la façon dont les gamètes de papa sont produits et celles de maman. Et donc, non seulement papa produit plus de mutations que maman, mais il en produit d'autant plus qu'il est plus âgé. Et donc, à la génération suivante, le nombre de mutations qui va apparaître dans la descendance dépend de l'âge du père, en particulier, bon, un peu de la mère, mais surtout du père. Et donc, vous voyez qu'il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est le temps de chaque génération, et avec des biais possibles, c'est-à-dire que même si vous dites, voilà, une génération, c'est, bon, une femme commence à avoir des enfants, allez, à la louche, vers 20 ans, maintenant, c'est plus tellement le cas, mais disons, autrefois, vers 20 ans, donc le temps d'une génération, c'est 20 ans, oui, mais si elle a des enfants avec un monsieur qui a trois fois son âge. D'accord ? Donc ça complique énormément les choses. Et donc on a en particulier des gens qui ont fait des estimations du temps de génération, non seulement pour les hommes, mais pour les grands singes, et qui ont été amenés à recalculer complètement ces longueurs de branches en fonction des différentes espèces. Alors finalement, je veux encore évoquer un dernier point, c'est que quand des populations se séparent, eh bien, évidemment, elles sont séparées par, je sais pas, une barrière géographique. Le lendemain matin, elles ne se retrouvent pas dans l'impossibilité de se reproduire l'une avec l'autre. Donc, la spéciation, c'est un processus qui est un processus assez long, en fait, avec une séparation de population, puis il y a des choses qui se passent dans le génome qui font que il y a des changements dans le phénotype, dans l'apparence de ces espèces. Les,
les paléontologues vont être capables de les reconnaître, mais elles ont toujours une capacité d'interfécondité. Et donc, il y a toujours le problème possible que, après le temps de séparation, il y ait à nouveau un contact génétique. Inutile de vous dire que ça n'arrange pas les affaires des gens qui font de la calibration. Il y a donc des dates qui sont des dates de séparation de population. Il y a des dates qui sont des dates de coalescence de parties du génome qui sont des dates qui sont antérieures. Et puis, il y a des dates qu'on appelle des dates de spéciation, les généticiens appellent ça des dates de spéciation, qui sont la date à partir du moment desquelles on est sûr qu'il n'y a pas de reproduction possible. Tout ça, c'est des estimations différentes. Donc, je vous ai dit qu'il y avait des ralentissements du taux de mutation chez les grands singes. On a aussi observé au sein des grands singes et de l'homme qu'il y avait un ralentissement plus important de l'homme, chez l'homme, par rapport à ces espèces de grands singes. Et je vais vous en donner un exemple. Je vous parlais tout à l'heure de mes débats avec mes collègues paléogénéticiens à propos de la divergence ancêtre de l'Homo sapiens moderne et néandertalien. Eh bien, quand on a commencé à publier des données paléogénétiques et qu'on a estimé ces dates de divergence, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On a utilisé la bonne vieille technique de calibration, c'est-à-dire en se fondant sur des dates paléontologiques ou sur, et vous allez voir, il y a un raisonnement circulaire, ou sur une date présumée de la divergence homme-chimpanzé. Donc la divergence homme-chimpanzé, tout le monde croyait, sur des données moléculaires qui elles-mêmes étaient calibrées, que c'était autour de 6 millions d'années. Donc on publiait des dates pour la divergence néandertal-homme moderne fondée sur un âge, par exemple, de 6 millions d'années pour la divergence homme-chimpanzé. Donc on connaissait la distance génétique entre Homo sapiens moderne et néandertalien, on connaissait la distance génétique entre chimpanzés et homme actuel, donc on faisait des règles de 3 assez simples, et puis on avait une date de divergence. Alors le problème qui s'est posé, c'est que quand on a commencé à disposer des moyens de séquencer de façon massive et relativement peu coûteuse le génome d'êtres humains, il y a des gens qui se sont précipités pour séquencer à l'intérieur de familles humaines le génome des grands-parents, des parents, des petits-enfants, etc. Et là, ce qu'on a découvert, c'est qu'on avait un taux de mutation observé dans des populations aujourd'hui qui était la moitié du taux de mutation qui était celui qu'on avait estimé en moyenne sur des données paléontologiques chez les hominines. Et ces deux taux de mutation donnaient des dates de divergence pour la séparation des populations ancestrales néandertal-homo sapiens moderne, qui étaient complètement différentes, avec une date très embêtant ça. Avec une date, si on s'appuie sur les dates de mesurées, dans la réalité des hommes actuels, une date de divergence des populations néandertal-homo sapiens autour de, disons, 600-650 000 ans, alors que pendant des années, en se fondant sur la méthode, traditionnelle de calibration, on nous avait vendu une date de divergence autour de 300 000. D'accord ? Et la validité de ça. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est, dans le fond, ce ralentissement du taux de mutation qu'on a observé déjà en général chez les grands singes, encore plus chez l'homme, encore plus chez l'homme actuel, ça date de quand ? Est-ce que c'est très vieux ou est-ce que... Et c'est important pour établir la calibration. Et donc, on a eu la chance, il y a quelques années, de disposer de ce fémur qui est ici à droite, découvert en Sibérie occidentale, qui s'appelle le fémur d'Oustichim, du lieu
il a été découvert. Et ce fémur, il est daté directement de 45 000 ans. On a son génome nucléaire complet. Et donc, on a pu comparer ce génome nucléaire d'un Homo sapiens moderne, puisque morphologiquement, il est moderne, avec le génome des hommes actuels. Et quand on a fait cette comparaison, eh bien, on s'est rendu compte que le taux de mutation qu'on observait, enfin, qui expliquait cette distance génétique, eh bien, c'était le taux de mutation qui était celui qu'on mesurait aujourd'hui entre deux générations humaines. Donc, ce ralentissement, c'est un ralentissement qui date certainement d'au moins 45 000 ans et probablement de beaucoup plus que cela. Donc, tout ça, ça a amené à, dans le fond, revisiter complètement cette horloge moléculaire et ce conflit qu'on avait constamment entre généticiens et puis paléontologues, il s'est quand même, dans les dernières années, drôlement calmé. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a, dans le fond, tiré vers le bas toutes ces dates que je vous ai montrées tout à l'heure, tirées d'un article de Pebo, on les a tirées vers le bas et avec des estimations qui sont devenues compatibles avec les données paléontologiques. Donc les espèces dont on va parler aujourd'hui, Sahelanthropus, Aurorine et Ardipithecus, vous voyez que ce sont des espèces qui sont, disons, entre 5 et... entre 5 et 7 millions d'années, eh bien maintenant, elles sont postérieures aux estimations qu'on peut faire à partir de l'horloge moléculaire. Vous voyez que la divergence chimpanzé-hominine, aujourd'hui, on l'estime plutôt entre 7 et 10, pour dire les choses. Mais vous voyez qu'il y a quand même une marge qui est assez grande, et cette marge assez grande, elle s'explique par toutes les hypothèses qu'il faut faire sur le taux de mutation, la durée des générations et tout ce qui se passe. Donc on a finalement réconcilié l'horloge moléculaire et la paléontologie. Alors, du côté des fossiles maintenant, on va regarder ce qui se passe avec ces hominines. Je voudrais dire un mot avant de m'attaquer aux hominines anciens, faire un sort aux autres, aux ancêtres des chimpanzés, aux ancêtres des gorilles. Et le fait est que, en fait, on a quand même assez peu de choses à dire sur ces fossiles. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on n'en a pas. Et donc, c'est assez simple. Voilà les restes de chimpanzés fossiles qu'on connaît. Ils sont là sur cette diapositive. Vous voyez, c'est quand même pas beaucoup. Hein, une molaire, deux incisives, et qui viennent d'un gisement kényan, qui est un gisement du Pléistocène moyen. C'est-à-dire que ça date de un peu plus de 500 000 ans. C'est-à-dire que ça date d'hier. Hein. Ce sont des chimpanzés, mais dans le fond, ils nous apprennent pas grand-chose, parce qu'il ressemble pas mal aux chimpanzés qu'on connaît, en tout cas, les quelques dents que l'on a. Et dans le fond, ce qui s'est passé entre 7 millions d'années, ou 8 millions d'années, ou peut-être plus que ça, 9 ou 10, et aujourd'hui, dans la lignée des chimpanzés, c'est en grande partie inconnu. Encore que, vous verrez que certains veulent reconnaître au sein de ce qu'on considère comme des hominines anciens, peut-être des grands singes qui ne seraient pas des hominines, mais qui seraient plutôt des panines. Donc ça, c'est pour le chimpanzé. Pour le gorille, c'est un petit peu la même histoire, sauf que là, on a un petit peu plus de chance parce qu'on a... C'est toujours pareil, hein, c'est quand même des dents, c'est très fragmentaire, mais on a quelque chose qui est beaucoup plus ancien, qui a été découvert dans l'Afar, en Éthiopie, un genre qui s'appelle Chororapithecus. Et ça ressemble beaucoup à un gorille. Il a d'abord été daté d'un peu plus de 10 millions d'années, ce qui, à l'époque, posait problème, parce qu'on se retrouvait encore en conflit avec les dates
de divergence de lignée qui était établi avec l'horloge moléculaire, mais qui a été redaté de façon un peu plus tardive et qu'on considère plutôt aujourd'hui autour de 8 millions d'années. Alors c'est très dommage qu'on n'ait pas de grands singes fossiles pour ces quelques derniers millions d'années. Pourquoi ? Parce que il y a constamment, dans le fond, la tentation de comparer les hominines avec les grands singes actuels. Et quand on compare les hominines avec les grands singes actuels, dans le fond, on tombe très souvent dans le panneau qui consiste à considérer les grands singes actuels et surtout le chimpanzé, dans le fond, comme un modèle ancestral. Il y a quand même cette idée qui traîne que notre ancêtre très lointain, antérieur à tous ces hominines très anciens, il ressemble beaucoup à un chimpanzé. Et en fait, c'est très certainement faux parce que le chimpanzé, lui aussi, il a évolué depuis 7 millions d'années et il lui est arrivé toute une sorte de changements. Mais de façon, je dirais, traditionnelle, en paléoanthropologie, il y a cette tentation à laquelle il est difficile de céder. Et le risque, évidemment, c'est de prendre des caractères des grands singes actuels systématiquement comme des caractères primitifs, alors que certains de ces caractères ne le sont pas. Donc se pose le problème de savoir, dans le fond, quels sont les traits qui caractérisent vraiment ces lignées. Vous verrez, par exemple, que le fait que les chimpanzés ou les gorilles aient une démarche très particulière qu'on appelle le knuckle walking, qui consiste à marcher de façon quadrupède en s'appuyant sur sur les phalanges repliées des mains, il y a eu tout un débat pour savoir est-ce que ce mode de locomotion était un mode de locomotion ancien. Il y a des gens qui ont pensé que ça pouvait être le mode de locomotion ancestral même des hominines, mais il y a quand même pas mal d'indices qui suggèrent que c'est quelque chose qui s'est développé, d'ailleurs probablement indépendamment, dans la lignée menant aux gorilles et dans la lignée menant aux chimpanzés. Donc il nous manque, comme on n'a pas de fossiles de chimpanzés ou de gorilles anciens, il nous manque des éléments pour reconstituer ce dernier ancêtre commun du chimpanzé et des hominines. Alors, dans la nature actuelle, les hominines, on sait à quoi ils ressemblent. Ils ont des tas de caractères que n'ont pas les grands singes, ni africains, ni asiatiques. Ils sont bipèdes, obligatoires, c'est comme ça. Ils se déplacent uniquement sur leurs pattes de derrière. Ils ont des caractères crâniens, dentaires, tout à fait particuliers, avec une face réduite, un cerveau très important, une denture qui est une denture très particulière. Vous voyez, cette créature a des dents très très bien rangées, un vrai collier de perles, qui est très différent de ce qu'on observe chez tous les autres primates quasiment, où on a des canines qui dépassent du reste de la rangée dentaire et de façon spectaculaire, en particulier chez les grands singes africains dont on va parler, où on a donc ces canines très développées, surtout chez les mâles, avec un système de déguisoir de la canine supérieure sur la première prémolaire inférieure. Il y a un espace dans lequel la canine vient s'aiguiser. Donc ça n'existe pas. Les hommes et les femmes ont perdu leur pilosité. Ils transpirent, ils font des tas de choses que les autres ne font pas. Ils ont une alimentation qui est très particulière. Ils ont une tendance carnivore assez marquée. Alors, les grands singes aiment bien de temps en temps manger de la viande, mais enfin, leur régime alimentaire, il est surtout végétal.
Et puis après, bon, il y a aussi un mode de reproduction qui est assez particulier aux hommes. On en a parlé dans les cours précédents. Et dans le fond, un des problèmes, ça va être quand on remonte dans le temps très très loin, de tous ces caractères, quels sont ceux qu'on va pouvoir utiliser pour reconnaître des hominines. Quand on remonte à l'homme de Néandertal ou un peu plus loin, ce n'est pas très compliqué. Mais quand on remonte il y a 6 ou 7 millions d'années, ça devient beaucoup plus difficile. Vous vous souvenez, quand je vous ai parlé de la découverte du premier australopithèque par Raymond Dart dans les années 20, j'ai insisté sur le fait que, dans le fond, c'était une surprise à l'époque, parce que la recherche du chaînon manquant, c'était quand même un petit peu la recherche de... voilà, une forme avec un cerveau quand même qui était nettement supérieur à ce qu'on trouvait chez les grands singes. Or, ces australopithèques, ces premiers australopithèques, eh bien, dans le fond, c'est surtout par la denture qu'on les reconnaissait comme proches de nous et pas tellement par le cerveau. Hein. Et au sein de tous ces caractères, vous allez voir qu'il y a deux caractères qui ont, pour les formes les plus anciennes, qui j'allais dire, ont occupé les débats de façon prépondérante. C'est la locomotion bipède. Et donc, ça, cette idée que l'homme est un bipède obligatoire, qu'il est adapté à la vie non plus arboricole, mais donc sur le sol en se déplaçant verticalement, a été considérée et toujours considérée comme un caractère essentiel des hominines. Et puis, ces caractères dentaires, alors vous me direz, bon, les dents, il n'y a pas que les dents dans la vie, hein, mais. Ces différences morphologiques, en fait, sont liées aussi à des différences de comportement et à des différences d'organisation sociale et même à des différences dans le mode de reproduction entre les hommes et leurs ancêtres et puis les grands singes. En gros, les canines très développées, c'est quand même le signe d'une organisation sociale où il y a un certain niveau d'agressivité entre les mâles, au moins entre les mâles, et voilà, quelque chose qui contraste avec ce qu'on trouve normalement chez les humains. Alors, pendant très longtemps, les hominines, donc jusque dans les années 90, donc les formes les plus anciennes que l'on avait, c'était ces australopithèques qui avaient été découverts en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, puis en Afrique de l'Est. Et dans le fond, qui étaient quand même, en point de vue de leur âge, qui étaient très très loin de cette date de divergence que je vous ai évoquée, qui était placée autour de 4, 5, 6 millions d'années. Aujourd'hui, qu'on place plutôt... au-delà de 7 millions d'années pour la divergence de la lignée des chimpanzés et de la lignée des hominines. Donc on était très très loin du compte. Et donc c'est dans les années 90 qu'on va commencer à trouver des fossiles qui vont remplir cet espace entre les australopithèques et puis ce point de divergence. Alors quand je dis qu'on trouve des fossiles qui remplissent cet espace, vous allez voir que le remplissent quand même de façon assez incomplète. Alors j'ai choisi, il n'y en a pas beaucoup, hein. En fait on parle de trois genres, Ardipithecus, Aurorine et Sahelanthropus. On aimerait en avoir plus. j'ai préféré vous présenter ça de façon un petit peu historique, c'est-à-dire au fil des découvertes telles qu'elles se sont déroulé depuis les années 90. Il se trouve que on va parler donc d'abord d'Ardipithecus, ensuite on va parler d'Aurorine et puis on finira avec Sahelanthropus. Il se trouve que ça correspond à un ordre inverse de la chronologie, c'est-à-dire qu'on remonte vers le passé, en fait. On remonte vers la divergence. Donc Ardipithecus, il a d'abord été appelé Australopithecus. Donc la création de l'espèce Ardipithecus, ça a été fait dans la correction d'un article
qui a été publié dans Nature, et cet article décrivait une nouvelle espèce d'Australopithèque que les auteurs White, Sua et Asfo en 94 ont décrit comme Australopithecus ramidus, qui venait d'un gisement éthiopien qui s'appelle Aramis. Et donc, ce matériel, c'est un matériel très très fragmentaire, un petit peu de matériel postcrânien, quelques dents, des bouts de tout petits bouts de crâne, et ce matériel était daté. Alors en Afrique de l'Est, les dates en général sont assez précises. C'est lié à cette structure géologique particulière de la région avec beaucoup de niveaux volcaniques. Donc on est autour de 4,4 millions d'années. Et pourquoi ces pièces étaient intéressantes? Eh bien, parce qu'elles présentaient des caractères qui étaient des caractères qui les rapprochait des Australopithèques, bien sûr, c'est pour ça qu'on l'a appelé Australopithecus ramidus, mais en même temps, il y avait quand même des différences, et ces différences, c'est ce qui a poussé assez vite, dans le fond, les auteurs à préférer le terme d'Ardipithecus à celui d'Australopithecus, alors notamment parce que les canines de cette nouvelle espèce étaient des canines qui étaient plus développées que ce que l'on trouve chez les vrais Australopithèques et moins développées que ce qu'on trouve chez le chimpanzé. Il y avait aussi des proportions des dents qui étaient quelque chose qui, dans le fond, qui était plus primitif que ce que l'on trouvait chez les Australopithèques. Chez les Australopithèques, il y a deux phénomènes qui se produisent. C'est une augmentation de la taille des dents post-canines, c'est-à-dire les molaires et les prémolaires ont tendance à devenir de plus en plus grosses. Et puis on a aussi un émail dentaire qui devient de plus en plus épais. Et vous verrez, ça va culminer avec certaines formes dont on parlera la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Et donc, voilà, les caractères de Ramidus donc plaçaient ce matériel qui était, encore une fois, assez fragmentaire, assez peu abondant, dans une position qui était un peu différente de celle des Australopithèques. Et donc, c'est pour ça que le choix a été fait de changer ce terme et de créer un nouveau genre. Alors, depuis les années 94, on a continué à travailler dans cette région. C'est-à-dire que quand d'autres fossiles d'hominines anciens sont apparus, les travaux dans la région d'Aramis ont continué, et donc il y a eu une augmentation continuelle du matériel attribué à Ardipithecus ramidus. Alors d'abord, on en a trouvé ailleurs qu'à Aramis. Donc il y a eu une découverte dans la région de Gona, en Éthiopie. Alors, toujours pareil, des choses assez fragmentaires, mais qui ressemblaient beaucoup à ce qui venait d'Aramis. Dans le Middle Awash, donc se trouve Aramis, l'équipe de Tim White a continué à accumuler des découvertes. Alors, au fil des années, jusque dans les années 2000, eh bien, ils ont fini par accumuler une quantité assez considérable de matériel. Et parallèlement à ça, on a trouvé un autre Ardipithecus qu'on a au début considéré comme une sous-espèce d'Ardipithecus ramidus, mais qu'on a là encore élevé au rang d'espèce séparés, c'est un Ardipithecus cadaba qui est plus ancien que l'Ardipithecus ramidus. Alors cet Ardipithecus cadaba, il lui ressemble beaucoup, mais il est plus ancien. Les dates qu'on a obtenues pour les niveaux qui livrent cette forme
sont entre 5,2 et 5,8 millions d'années. Le matériel est assez fragmentaire, mais on voit quand même qu'il y a des caractères plus primitifs que ce que l'on a chez Ramidus. Alors, quand on dit des caractères plus primitifs, c'est très généralement sur la denture. Et gardez en tête toujours cette idée que, dans le fond, on parle essentiellement de deux choses qui reviennent régulièrement. C'est, bon, il y a de la morphologie dentaire, mais c'est cette histoire d'épaisseur de l'émail qui a tendance à augmenter au cours de l'évolution des hominines. Et puis, la forme des canines. Souvenez, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Donc, chez Ardipithecus, on a des canines qui sont pas des canines de chimpanzés ou de gorilles, mais qui sont quand même des canines plus proéminentes, plus pointues que ce que l'on a chez un homme actuel, sans toutefois que cela aboutisse à cette création de ce système déguisoire entre les canines et les prémolaires. Donc, chez les hominines, on va trouver toute une variété de morphologie des canines et des prémolaires. Les prémolaires inférieurs qui sont, sur lesquels il y a cette facette de contact, d'aiguisement que l'on a chez les grands singes, eh bien, chez les hominines anciens, elle a une morphologie qui est assez différente de la prémolaire des hommes actuels. Donc, on regarde souvent eh bien, la taille, la forme de ces canines, et on voit que, voilà, Kadaba, il a des canines encore un petit peu plus pointues, un petit peu plus saillantes que ce que l'on a chez Ramidus. Et Ramidus, eh bien, il y a le même genre de différence avec ce qu'on va trouver chez les Australopithèques. Je vous ai dit que les travaux à Ramis avaient continué, alors dans plusieurs sous-localités autour du site de découverte originelle. Au début, publication de 1994, c'était quelques dents, quelques restes postcrâniens. Mais en fait, très vite, les paléontologues ont trouvé des choses beaucoup plus spectaculaires, et en particulier, ont trouvé un squelette partiel d'Ardipithecus. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a précipité le changement de genre d'Australopithecus à Ardipithecus, parce qu'ils avaient du matériel qui montrait toutes les différences qu'on pouvait... un certain nombre de différences qui étaient peut-être inattendues avec les Australopithèques. Donc, au fil du temps, plus d'une centaine, je crois 110 fossiles d'Ardipithecus ont été accumulés, ce qui est énorme, comparé à ce dont on va disposer avec les aurorines et Sahelanthropus. Et parmi ces 110 spécimens, on a, je vous l'ai dit, un squelette partiel d'une femelle adulte. Et tout ça a duré pendant des années, jusqu'au début des années 2000. Et donc, en 2009, l'équipe qui travaillait sur ces fossiles a publié dans le journal Science 11 articles d'un coup sur le matériel d'Ardipithecus. Alors, ça a été un truc extraordinaire. Voilà, ça a fait la couverture de Science avec ce fameux squelette. Alors, moi, je trouve qu'il ressemble un peu à Alien sur cette couverture. Ardipithecus, vous verrez que les reconstitutions sont beaucoup plus sympathiques. Et donc, on a dans cette série d'articles des études de toutes les parties du squelette quasiment qui sont représentées. Alors, certaines assez bien conservées, d'autres beaucoup moins, et qui ont amené les auteurs donc à affiner leur interprétation du matériel, à renforcer cette notion que Ardipithecus c'était un hominine très ancien. Vous allez le voir avec des arguments qui sont, j'allais dire, parfois plus convaincants que d'autres fois. Donc, on a affaire à une créature qui a
à peu près la taille d'un chimpanzé actuel. Hein. Enfin, on imagine une stature d'environ 1,20 m avec un poids d'environ 50 kg. Et ce qui est assez intéressant et important, parce que ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la signification de ces caractères dentaires que l'on ne trouve pas chez les humains et qu'on trouve chez les grands singes, un dimorphisme sexuel qui est assez faible. C'est-à-dire qu'entre les mâles et les femelles, on ne voit pas une grosse différence à Aramis. Et donc, tout ça, ça évoque quand même, encore une fois, un mode d'organisation sociale qui est probablement assez différent de ce qu'on peut trouver chez les grands singes africains actuels. C'est un problème qu'on va évoquer à nouveau avec les australopithèques. Dans le fond, voilà, dans la nature actuelle, on n'a pas de modèle vivant pour ce genre de primates. Hein. On a des hommes, ou on a des chimpanzés, des gorilles, mais très certainement que ces formes-là, et ça sera vrai aussi pour les australopithèques, avaient un mode d'interaction entre individus, des modes de reproduction, des modes d'organisation sociale qui étaient assez particuliers. Alors, un des auteurs de cette longue série d'articles, qui s'appelle Lovejoy, qui a étudié une grande partie du squelette postcrânien, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, beaucoup pensé sur cette histoire de dimorphisme sexuel, etc. Donc lui, alors tout le monde ne pense pas comme lui, hein, mais lui pense que c'est lié à un développement de la monogamie, de la fixation des mâles, si je peux dire, par les femelles dans des couples qui sont un peu plus stables que ce qu'on peut trouver chez les chimpanzés. Donc toute une organisation sociale qui est plus humaine, si je peux dire, que ce à quoi nous ont habitués les grands singes africains. Alors du point de vue anatomique, cet Ardipithecus ramidus, bon, on a pu reconstituer un crâne. Alors bon, c'est une reconstitution virtuelle, hein, par symétrie, on reconstitue des parties manquantes. On a un cerveau qui n'est pas très grand, qui est un cerveau de la taille à peu près de ce qu'on trouve chez un chimpanzé, un peu plus petit même. On a un raccourcissement de la base du crâne, et ça, c'est un caractère qui rapproche plutôt Ardipithecus des hommes et qui l'éloigne de ce qu'on a chez les chimpanzés. C'est vrai qu'on a un petit peu le même genre d'histoire avec Toumaï, avec Sahelanthropus. Du point de vue dentaire, bon, je ne reviens pas sur les caractères que j'ai déjà soulignés. Hein. Donc, bon, des canines qui sont nettement plus développées que ce qu'on a chez un homme actuel, mais pas ce système de déguisoir sur la première prémolaire inférieure que l'on a chez un grand singe. Et puis, ces fausses couleurs, là, vous montrent l'épaisseur de l'émail sur une molaire. Et donc, voilà, quand c'est rouge, c'est très épais, quand c'est bleu, c'est très mince. Et vous voyez que Ardipithecus, il est encore assez primitif, et ça le distingue de ce qu'on va trouver chez les australopithèques. Il a un émail dentaire assez mince. Les mains, les mains d'Ardipithecus sont très différentes à la fois des mains humaines et puis des mains d'un chimpanzé ou d'un gorille. Ben pourquoi ? Parce que les chimpanzés et les gorilles, je vous rappelle, ils ont cette adaptation au knuckle walking, donc leur phalanges, leurs mains sont vraiment adaptées à supporter le poids du corps. Il y a tout un système articulaire et musculaire qui permet ça. Donc, de ce point de vue-là, avec Ardipithecus, on a une main qui est une main relativement primitive, en fait. C'est une main qui ressemble un peu à des mains de primates miocènes qu'on a, qui datent d'avant la divergence homme-chimpanzé. Néanmoins, c'est quand même nettement une main de créature arboricole. C'est une main qui est peu spécialisée, en particulier elle n'est pas spécialisée dans la suspension, la brachiation, mais vous voyez qu'elle a des phalanges recourbées,
un pouce assez court. Ça, c'est ce qu'on va trouver typiquement dans une créature arboricole et qu'on va retrouver plusieurs fois chez ces formes d'hominines anciens. Donc, une vie dans les arbres. Alors, le pied est tout à fait surprenant, parce que vous voyez que le pied, c'est un pied qui est avec un gros orteil qui est complètement divergent, et donc qui est cohérent avec cette locomotion arboricole, mais néanmoins qui ne présente pas un certain nombre de spécialisations qu'on trouve chez le pied des chimpanzés en particulier, et notamment, il n'a pas ces adaptations qui permettent aux chimpanzés de grimper de façon verticale le long d'un tronc avec une possibilité de flexion, de flexibilité entre le tarse et le métatarse. On a plutôt une sorte de pied plat, si je peux dire, qui permet de se déplacer dans les arbres. Alors, toute la question, c'est que, vous allez voir, les auteurs qui ont étudié ces fossiles... voit dans le matériel d'Aramis des caractères de bipèdes terrestres, combinés à une locomotion arboricole. Alors je vous dis tout de suite qu'il y a quand même un certain nombre de collègues qui ne sont pas entièrement convaincus par le fait que ce pied-là est un pied qui permet une marche bipède très efficace sur le sol, hein, parce que ce n'est pas très commode d'avoir un gros orteil dans cette position-là quand on se déplace de façon régulière sur le sol. Alors, cette histoire de bipédie, elle se fonde en grande partie sur, mais pas uniquement, mais elle se fonde en grande partie sur des caractères crâniens. Vous vous souvenez, cette position, enfin, cette base du crâne qui est assez humaine et différente de ce qu'on trouve chez un chimpanzé. Et puis, sur l'analyse du bassin. Donc, voilà un bassin d'Ardipithecus, cette fameuse femelle dont on a un squelette assez complet. Alors bon, à droite, vous avez la reconstitution qu'on en a faite. Donc c'est un os coxal qui est assez court, qui est assez large, qui par un certain nombre de caractères évoque ce qu'on va trouver chez les hominines plus tardifs. Mais enfin, ça, c'est la reconstitution. Voilà le vrai fossile. Hein. Et le vrai fossile, il est quand même très, très, très déformé et très, très, très abîmé. Et donc, là encore, ça laisse la porte ouverte à la discussion par un certain nombre de collègues qui disent que, ben, oui, d'accord, c'est leur reconstitution, mais peut-être qu'elle n'est pas à prendre forcément... pour argent comptant. Donc voilà une comparaison de la reconstitution de l'os coxal d'Ardipithecus ramidus avec un australopithèque, un homme actuel, et puis un chimpanzé. Bon, vous voyez tout de suite que l'ilium est beaucoup plus court, beaucoup plus large, il est dans une orientation qui est complètement différente. L'ischion aussi est très, très différent de ce qu'on peut trouver à la fois chez les chimpanzés et chez les hominines plus tardifs. On a cette échancrure sciatique qui est assez développée. Donc un mix de caractères qui donc, a abouti à une reconstitution du mode de vie de ces Ardipithecus, combinant à la fois une démarche bipède sur le sol, alors occasionnel, mais bipède quand même, avec un déplacement dans les arbres, voilà, sur la plante des pieds et des mains. Hein. Et alors évidemment, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que ça repose la question de savoir quelle est la forme originale de locomotion de l'ancêtre commun des chimpanzés et de la lignée des hominines. J'ai insisté sur le fait que, dans le fond, on ne trouve pas grand-chose qui ressemble à un chimpanzé là-dedans. Hein. En tout cas, si on croit la reconstitution qui a été faite par les auteurs. Et donc, Lovejoy et d'autres vont jusqu'à proposer qu'en fait, ce type de locomotion-là
c'est le type de locomotion primitive qui existait chez l'ancêtre commun du chimpanzé et des hominines. Et que, donc, voilà, les chimpanzés ont évolué de leur côté vers le knuckle walking par augmentation de la masse et puis une adaptation à la vie sur le sol. Et puis que les hominines, eux, eh bien, ils ont tiré parti des capacités de déplacement bipède pour s'orienter vers une locomotion terrestre où la bipédie est obligatoire. Du point de vue de l'environnement, il y a eu aussi tout un débat. Pourquoi ? Eh bien, parce que, dans le fond, cette idée que la bipédie, c'est un caractère essentiel des hominines, c'est lié à une notion qui est une notion qui a été longtemps en faveur et qui est la notion suivant laquelle, dans le fond, les hominines sont devenus bipèdes parce qu'ils ont été obligés, à cause de la raréfaction des arbres, des milieux arborés en Afrique depuis le milieu du Miocène. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que Ardipithecus, si on en croit la faune qui est associée, eh bien, il vit dans un environnement qui n'est pas si aride et pas si ouvert que ça. Hein ? On a des colobes, qui sont des singes qui vivent dans les arbres, des trachelaphinées, qui sont ces antilopes à cornes en spirale, sont plutôt des animaux qui vivent en milieu couvert. Alors, il y a probablement pas loin des espaces ouverts, il y a des éléphants, il y a du rhinocéros, beaucoup de carnivores, donc un milieu qui est un milieu peut-être un peu comme celui-là, près de rivières, avec des forêts-galeries qui les longent. Là encore, il y a eu un débat. Donc, l'étude isotopique des restes d'Ardipithecus et de la faune associée, vous voyez, pousse les valeurs en delta de carbone 13 qui se trouve plutôt sur la gauche de ce diagramme, avec ici l'étoile, c'est Ardipithecus, on a nos colobes et nos trachelaphinées qui sont là, c'est plutôt un milieu couvert, mais vous voyez quand même d'autres espèces, probablement qui ne vivent pas loin, qui évoquent un milieu plus ouvert. Alors il y a des auteurs, en particulier Serling et des collaborateurs, qui ont publié un article dans Science en 2010, où il tire argument de l'étude des paléosols de cette région pour dire que, d'après eux, c'est quand même plutôt un milieu de savane arborée qu'un milieu de forêt. Alors, donc, il y a un débat entre les deux. White et son équipe la réponse qu'ils ont faite à Serling, c'est qu'en fait, oui, c'est vrai que il y a une augmentation de l'aridité en Afrique et des milieux de plus en plus ouvert de savane dans cette région d'Afrique, mais que les sites où on trouve ces Ardipithecus, eh bien, ils sont plutôt une partie du Middle Awash, de la région du Middle Awash, qui a tendance à conserver des environnements plus arborés. Alors, passons-en à la deuxième espèce que je voulais évoquer, donc Aurorine tugenensis. Donc là, c'est un... Alors, Aurorine tugenensis, il a été publié en 2001 sur du matériel découvert juste à l'avant, la fin de l'année 2000. Et, le matériel est beaucoup moins abondant que le matériel d'Ardipithecus, mais il est venu d'abord d'un site qui est plus ancien, et des sites d'Ardipithecus ramidus et du site d'Ardipithecus cadaba. Donc là, on est sur des sites qui sont entre 5,7 et 6,1 millions d'années. Ce sont des sites qui sont dans l'ouest du Kenya. Et il y a un matériel postcrânien qui est relativement bien conservé, en particulier des fémurs. On a à peu près une vingtaine de spécimens en tout qui ont été découverts. Un peu de matériel dentaire, mandibulaire, et puis ces fameux fémurs.
Alors, du point de vue dentaire, avec Aurorine, eh bien, on a toujours un petit peu le même genre d'observation, c'est-à-dire que les canines, elles sont, voilà, on a des canines assez pointues, mais qui sont, encore une fois, beaucoup moins développées que ce qu'on trouverait chez un chimpanzé, et un mode d'usure qui n'est pas du tout le mode d'usure qu'on trouve chez les grands singes, même s'il y a un sillon médial sur la couronne des canines supérieures. Les dents post-canine, les molaires, ne présentent pas encore l'agrandissement, on parle de mégadoncie qu'on va trouver chez les australopithèques, mais on a déjà comment dire, un émail dentaire qui est plus épais que ce qu'on a chez Ardipithecus. Donc vous voyez, là déjà on commence à rentrer dans le genre de problème où on a des fossiles qui ont des caractères apparemment plus dérivés dans le sens humain, si je peux dire, hominine, que des choses qui sont plus tardives, comme Ardipithecus. Donc vous imaginez que ça donne beaucoup d'arguments, de contradictions aux uns et aux autres. Alors ce qui a énormément, évidemment, alimenté les discussions autour d'Aurorine, ce sont ces fameux fémurs qui ont été découverts. Donc il y en a trois, surtout un qui est très très bien, qui est assez complet, qui est ici, qui est figuré en B. Alors si pour Ardipithecus, vous verrez, ça sera le cas encore plus pour Sahelanthropus, il y a des discussions sur le caractère bipède de ces formes, la fréquence de la bipédie, la forme de bipédie qu'elles ont pu avoir. Alors dans le cas d'Aurorine, une chose est sûre, c'est qu'on a certainement une denture qui est relativement primitive, mais on a un fémur qui est un fémur qui est un fémur de bipède. Donc voilà ce fémur d'Aurorine qui est comparé ici à un australopithèque, à Afarensis. Vous avez ici un premier représentant du genre Homo, vous avez ici un homme actuel. Vous voyez, la différence avec un chimpanzé est très nette, avec un col qui est beaucoup plus long, une partie supérieure du fémur qui est plus aplatie, une tête qui est arrondie, un petit trochanter qui se détache médialement, enfin, des caractères de bipède. Alors, les auteurs, les découvreurs de ce matériel, ont poussé ces observations jusqu'au point où, dans le fond, ils ont défendu l'idée que Aurorine représentait une forme ancestrale du genre Homo, de l'homme, en ligne directe, si je peux dire, laissant de côté les australopithèques. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, ils voyaient dans ce fémur d'Aurorine des caractères qui étaient, entre guillemets, plus humains que ce qu'on trouve chez les australopithèques. Alors ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté paléontologique. Et il y a eu au moins deux autres études qui ont repris un petit peu cette morphologie du fémur, en particulier une étude qui a été publiée dans Science par Richmond et Youngers en 2008, et bon, qui clairement rapproche, alors là c'est une analyse morphométrique de fémur, et vous voyez notre fémur d'Aurorine, il est là, et dans le fond il se groupe avec des fémurs d'Australopithèque, du genre Australopithecus ou Paranthropus, assez séparés des hommes modernes et même des premiers représentants du genre Homo, évidemment séparés aussi des grands singes. Si on regarde le reste du squelette d'Aurorine, eh bien, on a un membre supérieur qui est clairement adapté à la locomotion arboricole, même si on a une phalange terminale de pouce qui a un caractère, elle est ici, qui est élargie, qui a un caractère qui évoque un peu l'homme, mais sinon on a aussi des phalanges courbées, un petit peu comme ce que je vous ai montré chez Ardipithecus. Donc on a chez Aurorine une combinaison
de bipédie, qui est probablement pas très éloignée de celle qu'on a chez les Australopithèques, mais une capacité, une fréquentation des arbres qui est assez importante, une capacité arboricole qui est assez importante. J'insiste sur le fait que, bon, on peut discuter sur l'interprétation de tous ces fossiles, mais je pense que pour ce qui est de la bipédie terrestre, probablement Ardipithecus, et si je peux, Aurorine est certainement le mieux loti, même s'il n'est pas besoin pour autant de l'exclure de l'origine des Australopithèques. Alors, dernier maillon de cette chaîne, le fameux Toumaï, donc Sahelanthropus tchadzensis, qui est le premier fossile de cette sorte, d'hominine très ancien, antérieur aux Australopithèques, qui est trouvé en dehors du rift africain. Et évidemment, ça a eu des tas d'implications. Je vous rappelle qu'on avait trouvé déjà au Tchad, on avait trouvé un Australopithèque, enfin Brunet avait trouvé un Australopithèque, mais là on a trouvé ce crâne. Alors le matériel, il est essentiellement représenté par un crâne qui est assez déformé, des restes dentaires, des restes mandibulaires. Alors initialement, il n'y avait pas de matériel post-crânien décrit, mais on sait depuis qu'il y a, un peu de matériel post-crânien qui fait l'objet de pas mal de polémiques. Alors on va retrouver chez Sahelanthropus à nouveau ces caractères dentaires d'hominine que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire des canines qui sont plus courtes que ce que l'on trouve chez des grands singes africains, qui s'usent par la pointe, hein, et qui ne s'usent pas donc sur un système de déguisoir sur la première prémolaire inférieure. On a des caractères crâniens qui sont assez primitifs. En particulier, on a un plan nucal, c'est-à-dire la zone d'insertion des muscles de la nuque qui est assez important. Dans les caractères faciaux, on a une réduction du prognathisme alvéolaire de la région infranasale. On a un torus susorbitaire qui est très très développé. Ce sont des caractères qui ont été utilisés par Brunet et ses collaborateurs pour rapprocher Sahelanthropus des hominines. On en profite de cette vue supérieure pour voir. Alors, le crâne est déformé, mais vous voyez qu'il est quand même assez étroit, avec une très forte constriction post-orbitaire, c'est-à-dire un resserrement ici en arrière du torus susorbitaire. Alors, le caractère qui a vraiment, fait couler beaucoup d'encre autour de Sahelanthropus, c'est cette structure de la base du crâne, avec une orientation du foramen magnum, qui est une orientation, horizontale, si on la compare à l'orientation du plan des orbites. Donc on a un angle qui est proche de... On a un angle qui est proche de 90 degrés. C'est un angle qui est beaucoup plus ouvert que ce qu'on trouve chez un chimpanzé ou même chez un Australopithèque, et qui, là encore, rapproche Sahelanthropus des hommes actuels. Donc c'est l'argument essentiel qui a été utilisé pour faire de Sahelanthropus un bipède. Alors dans la description originale du matériel, les auteurs ont quand même été prudents, c'est-à-dire qu'ils ont déduit de ce caractère que... la formule exacte, je ne m'en souviens plus, mais il n'était pas improbable, il était probable qu'il était bipède ou quelque chose comme ça. Et de fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont contesté ça, c'est-à-dire qui ont dit oui, c'est raisonnable de penser qu'il est bipède, mais dans le fond, il nous faudrait une démonstration par le squelette postcrânien de cette bipédie, parce qu'on a des variations dans les différentes espèces
de grand singe, de cette orientation du foramen magnum, qui peut être en position relativement avancée et relativement orientée vers le bas, sans que pour autant on ait affaire à des espèces franchement bipèdes. Alors en particulier, il y a un groupe d'auteurs guidé, si je peux dire, par Milford Wolpoff en 2006, qui a publié un article où ils ont vivement critiqué l'interprétation de Sahelanthropus, en gros en vendant l'idée que c'était peut-être même un gorille, en fait, hein, ou quelque chose apparenté au gorille. Alors, ils ont critiqué les caractères dentaires. Ils sont beaucoup, j'allais dire, intéressés à cette histoire d'orientation du foramen magnum, et puis de taille du plan nucal, de la zone d'insertion des muscles de la nuque, en gros en disant que c'était quelque chose qui collait pas avec une position réellement verticale de la colonne vertébrale, que c'était quelque chose qui évoquait plutôt ce qu'on observait chez les grands singes. Alors, j'allais dire, pour venir un peu en défense des interprétations de Michel Brunet, je voudrais quand même souligner le fait que il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, on a publié un crâne qui est un crâne d'Australopithecus anamensis. Australopithecus anamensis, c'est la plus ancienne espèce d'Australopithèque qu'on connaisse. Et on l'a longtemps connu pratiquement uniquement par des restes qui étaient des restes dentaires, des restes mandibulaires, enfin des choses assez fragmentaires. Et pour la première fois, on a mis la main sur un crâne qui est pratiquement complet, qu'on a pu très bien reconstituer, et qui date de 3,8 millions. Et ce qui est très intéressant dans l'étude de ce crâne, c'est que donc 3,8 millions, on est très, j'allais dire, très en amont de tout ce qu'on connaît comme Australopithèque. Hein. Vous verrez que les Australopithèques, ce n'est pas aussi vieux que ça. Et ce qui est intéressant sur ce crâne de Vorontso Mile, en Éthiopie, c'est qu'il présente un plan nucal très, 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 très important en taille. Et donc, il présente un plan nucal qui, dans le fond, rend le plan nucal de Toumaï, je dirais, voilà, raisonnable pour un ancêtre possible de ces Australopithèques. Et pareil pour cette étroitesse. Vous vous souvenez, j'ai insisté sur le fait que la boîte crânienne était très étroite avec une constriction post-orbitaire très forte. Eh bien, ce crâne du plus vieil Australopithèque qu'on est maintenant, hein, sur lequel on a pu enfin mettre la main, eh bien, il présente des caractères qui sont un petit peu aussi du même type. Donc, en tout cas, sur le plan morphologique, je pense que ces caractères-là, c'est des caractères qu'on ne peut plus utiliser pour, si je peux dire, critiquer l'interprétation de Sahelanthropus. Donc, comme je vous l'ai dit, pour accepter la bipédie de Toumaï, de Sahelanthropus, dans le fond, ce que tout le monde attend ou attendait, c'était la description de squelettes de restes postcraniens. Donc ces restes postcraniens, ils ont fait l'objet de toute une polémique que vous avez peut-être suivie dans la presse. Mais en tout cas, on sait maintenant qu'il y a un fémur fragmentaire dominidé qui a été trouvé avec le crâne, et tout porte à croire que c'est probablement un os qui appartient à la même espèce, même si ce n'est pas au même individu. Il y a aussi des fragments du membre supérieur qui sont des fragments d'os qui semblent être ceux d'un grimpeur. Alors, je suis un peu embarrassé pour vous parler de ce fémur. Je vais vous dire pourquoi, parce que cette image, elle est tirée d'une publication qui n'existe pas. C'est une publication qui a été soumise à un journal pour publication, mais les auteurs ont déposé sur Internet leur manuscrit avec ses illustrations et leur interprétation. Mais le processus normal de publication d'un article, c'est que l'article il est expertisé par des collègues qui anonymement donnent leur avis là-dessus, et en se fondant sur cette expertise, le journal publie les données ou ne les publie pas, ou les publie en demandant des modifications. Et donc ce processus, il n'a pas encore eu lieu. Donc
Bon, je pourrais vous dire que dans ce manuscrit, les auteurs tirent argument d'un certain nombre de caractères de ce fémur pour dire que c'est un fémur de bipède. L'aplatissement de la partie supérieure, une ligne d'insertion musculaire sur l'arrière du fémur, sa courbure, etc. Il faut dire que malheureusement, les parties les plus, je dirais, diagnostiques, celles qui seraient vraiment importantes, comme le col du fémur, la tête du fémur, manquent. Hein. Et donc, je ne sais pas ce que donnera la version finale de cette étude. Et d'autre part, je soupçonne et même je pense que je peux prédire que cet article sera suivi d'un autre article par d'autres spécialistes qui diront que, de leur point de vue, ce fémur n'est pas un fémur de bipède. Donc je pense qu'on est parti pour pas mal de discussions autour de cet os. Alors, pour finir avec Sahelanthropus, quelques mots sur l'environnement. C'est un peu comme pour Aurorine et comme pour Ardipithecus, c'est-à-dire c'est des environnements qui ne sont pas des environnements complètement ouverts et complètement arides. Donc, dans le cas de Sahelanthropus, je vous rappelle qu'on est sur les bords du mégalac Tchad, hein, qui est un lac qui se rétracte, qui s'étend de nombreuses fois au cours du Pliocène et du Pléistocène, ce véritable pratiquement mer intérieure à l'Afrique, avec des rivières qui viennent se jeter dans ce lac. Et ce qu'on imagine comme environnement, en regardant la faune qui vient des sites dans lesquels on a trouvé ces restes, eh bien, c'est une mosaïque de paysages, dans le fond, avec des bosquets, des arbres, mais aussi des parties qui sont plus ouvertes, voire des parties qui, disons, sont aux confins d'un désert. Et évidemment, la difficulté, c'est que souvent, dans les gisements paléontologiques, on trouve toute une variété d'espèces, mais rien ne nous dit que toutes ces espèces, elles ont vécu ensemble dans le même paysage. Hein. Elles ont pu être accumulées ensemble quelque part, en tout cas, leurs restes ont pu être accumulés. On est quand même embarrassé pour répondre de façon ferme sur le type d'environnement là où il menait la plupart de son existence. Quand même, il y a une congruence, si je peux dire, de ces observations entre des sites de différentes périodes et de différentes régions qui nous montrent quand même que ces hominines vivent pas dans des milieux de savane complètement dégarnis. Et donc, ces observations, avec aussi le fait qu'on a découvert Sahelanthropus au Tchad, assez loin de la rive vallée, ça a remis en cause des modèles qui étaient des modèles qui ont été prépondérants et qui liaient le développement de la bipédie des hominines justement avec le développement des milieux de savane et l'adaptation obligatoire à ces milieux de savane. Alors, c'est une histoire qui remonte en fait à un primatologue qui s'appelait Cortland, qui dans les années 70 avait développé un modèle suivant lequel... D'abord, l'observation de Cortland, c'était que les chimpanzés qui vivaient dans la savane avaient tendance à avoir des comportements qui étaient plus humains, si je peux dire, que ceux qui vivaient en milieu couvert. Et les idées de Cortland ont été en grande partie reprises par Yves Coppens, qui, notamment dans un de ses ouvrages, a publié cette carte, hein, où il compare l'aspect des paysages africains à la fin du Miocène et ceux actuels, avec une réduction, vous voyez, des forêts et une extension des zones de prairies et de savanes même assez sèches en Afrique de l'Est, à l'est du Rift. Et donc l'idée qui était, dans le fond, en faveur pendant très longtemps, c'est que c'est la création du rift africain, l'érection de ces volcans, qui, dans le fond, a créé une barrière géographique qui a freiné l'arrivée des pluies qui viennent de l'ouest, hein,
et donc créer un environnement dans lequel on trouve les hominines les plus anciens, à l'est du Rift. Hein, donc, d'où cette notion de Issa History. Alors, bon, voilà, on a un peu abandonné cette idée-là pour des raisons géographiques, et je vous l'ai dit aussi parce qu'on se rend compte que les premiers hominines, finalement, ils ne vivent pas vraiment dans ce genre d'environnement. Mais quand même, il faut quand même, sur le long terme, il faut quand même bien voir que on a une montée de l'aridité depuis le Miocène en Afrique, et que cette montée de l'aridité, elle a un effet dans l'adaptation des hominines. On a parlé beaucoup d'épaisseur de l'émail dentaire. L'épaississement de l'émail dentaire, c'est certainement en partie lié à des changements alimentaires liés à ces modifications climatiques. Et puis, même si c'est longtemps après Ardipithecus, Aurorine et Sahelanthropus, eh bien, les hominines ont dû s'adapter à des milieux complètement ouverts. Alors, pour finir, je voudrais faire un bref commentaire sur l'interprétation qu'on peut faire de tout ce matériel. Donc, vous voyez qu'on a quand même un peu de mal à saisir ces hominines anciens. Je vous ai dit, on n'a pas les lignées anciennes de chimpanzés, de gorilles. On s'est emparé de deux caractères qui sont des caractères dentaires, d'une part. Alors, important parce qu'ils ont des implications sur le plan du comportement. Et je pense que cette histoire de déguisoir, de canine développée, etc., dans la nature actuelle, c'est quelque chose qui n'existe pas dans d'autres espèces de grands primates que chez les hominines. Et donc, je pense que ces caractères-là sont des caractères qui marquent, si je peux dire, les hominines. Et de ce point de vue-là, je pense que, pour l'instant, aussi bien Ardipithecus, Sahelanthropus, Aurorine, bon, lui, il est bipède, bon, méritent leur label de hominine ancien. Maintenant, la bipédie, voilà, on a voulu aussi en faire une espèce de caractère exclusif des hominines. Là, par contre, je pense que c'est peut-être plus contestable. Il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, on a publié un grand singe, les restes d'un grand singe découvert en Allemagne. On est très loin de l'Afrique. Ce grand singe, on l'a appelé Danuvius, hein, c'est une évocation du Danube. Il a un peu plus d'un 11 millions et demi d'années. Alors, son âge précède la divergence chimpanzé, hominine, etc. Donc, il est un petit peu en dehors de notre histoire. Et ce qui est intéressant avec ce grand singe, c'est que, qu'est-ce qu'il nous dit ? D'abord, il nous dit quelque chose que je n'ai peut-être pas souligné assez, c'est que dans le Miocène, on a des grands singes, pas seulement en Afrique, hein, et on a des grands singes qui sont apparentés peut-être à l'origine des hominines et des grands singes africains en Europe. Avec toujours pareil, c'est une histoire de surface forestière qui est beaucoup plus importante et de climat beaucoup plus chaud que ce qu'on a aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment intéressant dans la description de ce Danuvius, c'est que son squelette postcrânien, il y a des éléments qui sont assez bien conservés. Et dans la description qui a été publiée de ce fossile, eh bien, je pense que les auteurs apportent des arguments tout à fait convaincants sur le fait que c'est un être arboricole, et c'est un être arboricole bipède. C'est-à-dire qu'il se déplace dans les arbres, mais il est en capacité de se déplacer debout dans les arbres. Et dans le fond, quand cette publication est sortie, tout le monde s'est un petit peu dit c'est peut-être ça le modèle ancestral, c'est peut-être ça qui existait chez l'ancêtre commun des chimpanzés et des hominines, et qui a pu évoluer chez les hominines vers de la bipédie de plus en plus obligatoire avec une adaptation au milieu ouvert, et les chimpanzés vers autre chose avec le knuckle walking. Et donc, ça pose aussi cette découverte de Danuvius une autre question, qui est la question du degré d'homoplasie que l'on observe dans ces groupes très anciens. J'ai insisté sur le fait qu'on avait dans le fond
peu d'espèces, peu de fossiles pour cette période-là, et donc on peut penser à toutes les espèces qu'on n'a pas. Hein. Et si la bipédie n'est pas un caractère exclusif des hominines, si c'est quelque chose qui a pu exister avant ou qui a pu exister chez certains et chez pas d'autres, hein, évidemment se pose la question de l'apparition séparée d'un caractère comme celui-là dans différentes lignées. Et dans un article qui est assez vieux maintenant, deux collègues qui travaillent aux États-Unis et qui commentaient surtout les découvertes d'Ardipithecus, c'était en 2011, hein, donc on avait déjà Ardipithecus, Aurorine et Sahelanthropus. Dans le fond, ce que ces collègues expliquent, alors oubliez les dates qui sont sur cette figure parce qu'elles sont un petit peu dépassées, mais ce qu'ils discutent dans le fond, c'est le fait que quand on a très très peu de fossiles, eh bien, on veut absolument les mettre sur la ligne verte ou sur la ligne rouge, les ancêtres des chimpanzés, les ancêtres des hommes, les ancêtres des gorilles. Mais dans la réalité, il a existé de nombreuses autres espèces pour lesquelles nous n'avons pas de fossiles. Et dans le fond, peut-être que certains des fossiles dont nous disposons sont des fossiles qui se branchent sur cet arbre dans des positions juste avant ou juste après la divergence, d'un côté ou de l'autre de la divergence. Mais comme on est très très près de la divergence et comme il y a peut-être de l'homoplasie, on a du mal à les interpréter. Et évidemment, on préfère toujours les voir comme des ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres les plus lointains, alors que peut-être que, après tout, ni Aurorine, ni Sahelanthropus, ni Ardipithecus ne sont des ancêtres directs des hommes d'aujourd'hui, mais ils nous donnent une image de cette diversité des hominines dans ces périodes-là. Et comme je vous l'ai dit, on a quand même de bonnes raisons de penser qu'ils sont apparentés à notre lignée. Je vous remercie.